Salut à toutes et à tous, c'est Sidjiron et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvelle semaine. Alors j'ai juste cliqué sur ça pour construire un bâtiment. Ça aussi, voilà. Et on va booster les ventes de vin. Alors de l'autre côté, donc ce qui se passe désormais au nord, c'est que Kipsella, donc tend les bras. Hop. Voilà, donc bon, techniquement là, j'ai pas besoin de vous montrer la bataille. Hein. Hop. Commandant, à votre service. Hop, plus 10% pour toutes les compétences d'unités en mêlée. Il est chez moi, Croquinas, ou pas? Ouais, il est chez moi. Parti conservateur, chef Croquinas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, je booste ses attributs de Gravitas, je pense. Oh, putain, on pourra pas faire le duel. Oh, dommage. Bon, je vais continuer à aller explorer par là, hein, du coup. J'aurais dû porter taux de sandales. Le mec dégoûté, putain, qu'est-ce que c'est que ces sandales? Pourquoi j'ai pris ces sandales? Bon écoutez, je sais pas du tout ce qui fait que ça bug, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Pourquoi ça rame comme ça? C'est dingue, ça! Ça me le faisait pas avant le patch 17. Please, CA, quoi! C'est... On dit que je critique pas CA très souvent, mais là, honnêtement... Bah, je sais pas ce qui se passe, mais depuis le patch 17, là, ça me fout des vents. Et ça me saoule. Clairement. Donc, ils ont toujours pas pris Byzantion, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pergame, pardon. Je vais aller me poster à côté d'eux parce que là, honnêtement, ils mettent un temps, mais de dingue quoi. Faut aller plus vite là. Là non plus, je peux pas faire l'assassinat du coup. Grave. Je vais me remettre avec l'acclamator 3 Egea à Kios. Et je vais partir avec l'acclamator 1 Corinthia de ce côté-là pour aller supporter Cestos. Et en finir avec la flottille. Et mon but, ce sera ensuite d'aller rapidement vers Ilion, en fait, depuis Pergame. Là, techniquement, il va m'appeler en renfort pour lancer l'assaut sur Pergame. Donc, je vais y répondre. Et ensuite, je leur cale Mytilène. Faudrait que je pense plus souvent à ce bouton. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ce bouton pour dire « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », c'est quand même bien, bien pratique. Ce lag commence à me taper légèrement sur le système. Je suis désolé, je vais beaucoup revenir dessus, mais... J'ai juste l'impression que ma carte graphique a désévolué, quoi. Alors que j'ai bien refait la mise à jour des pilotes. J'ai cette espèce de grésillement aussi dans l'oreille, je sais pas ce que c'est. Câble ou je ne sais quoi. Génial, c'est des écouteurs que j'ai acheté il y a une semaine et ça grésille déjà comme ça. Pas mal. Bon achat, hein. Putain, sérieusement là? Écoutez, ce que je vais faire, c'est que là c'est insupportable.
Donc je sais pas, je vais baisser très certainement la qualité graphique. Je vais voir aussi s'il n'y a pas des programmes qui tournent pour je ne sais quelle raison. Mais là c'est du grand n'importe quoi. C'est une halute totale quoi. Qu'est-ce que c'est que ces blocages intempestifs? Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Mais please. Logiquement avant je tournais en ultra et là je suis en... Pas en ultra quoi, je suis largement derrière. Je suis en très haut. Regardez-moi ça, les textures qui se chargent pas, etc. Mais c'est chiant ça. Oh là là, il y a des jeux, et dire qu'il y a des gens qui jouent sur ce genre de texture. Parce qu'ils ont vraiment pas le PC pour. Ah, je supporterai pas. D'accord, écoutez, je sais pas pourquoi ça le fait, j'espère que ça s'entendra pas trop le grésillement. J'espère que c'est juste pour moi et que vous l'aurez pas, mais là. Vraisemblablement. Peut-être trouver le moyen. Bon. Donc je vais régler les graphismes pour baisser encore, mais ça me saoule un peu. La 16e pleine lune marque le festival de Munichia. Le cœur joyeux, nous célébrons notre victoire contre les Perses à Salamine et la survie de notre civilisation. En signe de gratitude envers Artemis, des gâteaux couverts de bougies lui sont donnés en offrande. Les jeunes filles s'habillent en ours pour des raisons mystérieuses. Ouais, effectivement, pourquoi tu t'habilles en ours? Quel rapport? Bon, allez, à tout de suite. Écoutez. Hop, ça a l'air d'aller mieux. Ah oui, mieux. Oh putain, fini de ramer comme un con. Ok, j'ai rien dit. Merci beaucoup, carte. Bon, ça va un peu mieux quand même. Hein. On est quand même un brin plus fluide. Je comprends vraiment pas, hein. Si vous avez une solution, moi je sais que je suis sur AMD, mais ça m'a jamais posé de problème avant, quoi, donc... à moins que là, depuis le patch, les AMD soient dans la merde et que les Nvidia soient bonnes... je vois pas vraiment, quoi. Me dites pas que c'est peut-être mon ordi qui est empoussiéré, parce que je l'ai dépoussiéré je sais pas combien de fois ces derniers temps. On l'a remis à bloc il y a pas longtemps avec... avec le pingouin, l'ami de pingouin, que je salue, qui a sauvé mon PC de la mort. Hop. Bon, personne ne veut nous faire chier là, techniquement. Sur la route. Hop, on va utiliser le massacre. Parce que c'est ça qui est bon et que ça marche. Hop. Et on va se hâter. On va aller dans l'onglet diplomatie. Et on va fixer le fait que maintenant c'est cette ville qu'on cherche à attaquer.
Hop. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde me parle? Nous avons faim de bataille. Hop. Vous êtes motivés les gens aujourd'hui, hein, c'est... C'est jeudi, pourtant, ça envoie des commentaires, hein, ça balance. What? Il y a une double enceinte ou c'est moi, là? Non, non, c'est juste que ça fait le tour du lac. Putain. J'ai cru qu'il y avait, vous savez, une enceinte et ensuite encore une enceinte. J'ai fait, hein, qui est nouveau, ça. D'accord, ok. C'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est très dérangeant, ça. Faudrait qu'ils split, faudrait qu'ils se séparent, hein, parce que là... Bon, techniquement, c'est censé aller un peu mieux que ça, quoi. Donc ici, de ce côté-là, parce que moi, j'ai vraiment envie d'assurer mes frontières avec... avec Rod, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là c'est Kibira qui a augmenté, Shonai et je peux pas la faire, je peux pas l'augmenter pour le moment. Ça c'est Rod. On a Kos dans les environs. Kos, elle est où Kos? Ici. D'accord, Kos fait partie de ça, d'accord. Le problème c'est que je ne peux pas les booster encore. Je booste mes temples parce que vraiment, c'est ça qui me permet de maintenir une certaine hégémonie sur, sur tout le reste. Un certain contrôle. Par contre, c'est moi où j'ai pas vu bouger beaucoup de troupes ces derniers temps de ce côté-là. Ouais, c'est normal. Hop. Ah, en été par contre, mais tu gagnes une telle vitesse. C'est incroyable. Je me demande si je fais bien de les ramener parce qu'honnêtement là on est en train de maîtriser la situation en 2-2. Je pense qu'elles vont repartir directement pour s'en prendre à Argos. Parce que là honnêtement, vu comment on gagne facilement, j'avais pas prévu que cette guerre aille aussi vite quoi. En même temps, j'ai des alliés qui répondent rapidement à mes demandes. Donc, Eubule. Il est où, Eubule? Nous avons faim de bataille. T'as un nom débile, mais on va t'aider. Encore une fois, s'il y a des mecs qui s'appellent Eubule, je suis désolé pour eux. Considérez cette proposition avec soin. Mes hommes s'attendent à votre accord. Et si Athéna vous aide... Ils l'auront. Un accès militaire. Pourquoi vous voulez un accès militaire? Soit. Je vais vous autoriser. Je sais pas pourquoi. J'ose espérer que c'est pas pour combattre... bah non, ça va pas être pour être combattre les pires. Pourquoi ils vont là-bas alors? Si c'est pour qu'ils attaquent les pires, honnêtement, la ligue étolienne, je leur apprends la vie. Hein. Je leur apprends le respect, j'ai pas l'intention de me battre avec les pires. Les pires, c'est un voisin puissant qui a toujours été là pour nous soutenir du temps où on combattait Athènes. Et la Macédoine. Et...
Comment ils s'appelaient déjà les mecs là qu'on a... Les Thessaliens, ouais. Et les Thessaliens aussi. Notre agent caché a été découvert. Un allié confirme la cible de guerre sur Mytilène. Ok. Oh putain, d'ailleurs. Ah, c'est pas mal ça. Alors attendez, elle est passée où leur flotte? Lol. Si je peux pas les atteindre comme ça, c'est que eux ne peuvent pas m'atteindre. Par contre, je vais me poster comme ça. Hop. Mise en place du blocus. Personne ne passera. Personne ne passera. Un pont sur les rames, messieurs. Mettez-y du vôtre. Oui. Sonnez les tambours. Bon, on va espérer pouvoir aller rapidement. J'espère que c'est pas la pire erreur de toute ma carrière militaire. Parce que ça me ferait mal. Ça ferait très très mal. Hop. Je vais aller voir ce qu'il y a par là. Oh oh. On va essayer. Yes. J'ai accompli beaucoup pour le peuple. J'avoue, GG le vieux. Ah, le mec, le gros taunt. Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi le vieux. Le mec. Plus 15% de chance critique dans les... Alors, Kypsela, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, tiens. Kypsela était une cité grecque de la Thrace. Sa proximité avec les fleuves Èbre et Nestos en faisait un poste de commerce utile. On y vénérait Hermès, le messager. D'accord. Et du coup, si je veux prendre Perinthos... Perinthos est une colonie de Samos depuis 559 avant Jésus-Christ. Réputée pour son agencement, pardon, une série de marches ou d'étages à la façon d'un amphithéâtre. L'île se trouve sur plusieurs routes commerciales importantes. Énormément de cargaisons y passent, rendant la cité prospère et riche. Eh ben excellent, excellent. C'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi un temple d'Héphaïstos ici? Alors que c'est une colonie commerciale, d'ailleurs. Une colonie commerciale qui ne sert à rien. Je vais en faire une colonie fermière, Kypsela. À moins que... Attends, Kypsela, elle est... Kypsela, elle est là, donc... Je vais en faire une colonie fermière, il est hors de question, voilà. Voilà. Donc tout ça sera cassé au prochain tour. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et Cestos, non, c'est normal. C'est... On va attendre ici parce que là je le sens mal de les affronter. Enfin, Dixit, le gars qui a quand même une armée comme ça, quoi, bon. J'avoue que là, je suis un peu dans la colle de dire que j'ai peur, mais... On n'est jamais trop prudent, vous voyez. Dixit, le mec qui a envoyé des troupes là, actuellement, en pleine mer. Oh, fuck. Ah, c'est bon, c'est des navires de transport ennemis. Ça se tasse. Ils m'attaqueront pas. Donc là, mes troupes qui reviennent parce qu'il est temps de se diriger gentiment vers Arcos. Oui, parce qu'au moins, ça nous permettra ensuite d'aller rapidement sur la crête. D'ailleurs, cette flotte-là, on va l'arrêter et on va la préparer à affronter Argos aussi. Ça se décante, les amis, ça se décante. Nous sommes proches de la fin. Moi qui pensais que cette guerre
cette nouvelle guerre mondiale allait me poser problème, en fait, au final, pas tant que ça. Donc finalement, il cherche quand même à m'affronter. Parce que je n'étais pas assez proche, je suppose. Là, honnêtement, ça me fait chier de la perdre, celle-là. Je vais essayer de me replier. Non, il va m'affronter quand même. Ouais. Du coup. Areus Byzantion. Bon, allez. On se retrouve au prochain épisode parce que là on n'a plus le temps. Salut à toutes et à tous. Ouais, c'était Sidjiran. Oui, on n'a plus que 7 minutes parce que j'ai coupé au bout de 7... On n'avait plus que 13 minutes puisque j'avais coupé au bout de 7 minutes pour régler ce petit problème graphique. Salut!